On l'a dit, là, autour de la table, la démocratie tous. Hein, la démocratie tous. Le politique intéresse tout le monde. Il intéresse tout le monde. La preuve, aujourd'hui, on est en campagne présidentielle avec un flot de candidats aux primaires au cas où les candidats naturels, les nombreux candidats naturels, se présenteraient pas. Avec, dans un univers où la nouveauté, c'est la disparition de Bayrou, l'arrivée de Patrick Sébastien et de Dominique de Villepin. Les politiques, Jean-Daniel dit, ne satisfont pas au fond, même si après vous dites quand, etc. Les politiques ne satisfont pas. Alors je me souviens qu'avec Nathalie, il n'y a pas très longtemps, un peu longtemps quand même, mais on a écrit, c'était une hypothèse, la France divorce de ses élites. Et aujourd'hui, moi je crois que le corps électoral, social, la société a définitivement décidé de divorcer du monde politique. Et ma question, elle est sur la prestation compensatoire, quoi. De quel montant elle est, de quelle nature, quand elle arrive et avec quels moyens il va falloir la régler. Cet espoir du politique, le politique peut nous sauver, le politique va créer 100 000 emplois, c'est quand même comme une rigolade à laquelle plus personne ne croit, plus aucun Français ne croit. Et on continue de reformuler ça. Qu'est-ce que peut faire le politique dès qu'il y a un accident quelque part? Mais je pense que ça relève de la qualité des hommes politiques qui est assez médiocre en réalité, où aucun n'est capable de s'élever, de rompre contre le courant, contre bref, de ne pas être démagogue, quoi, pour dire les choses. Moi, j'éviterais de disqualifier les personnages politiques. Je réfléchirais plutôt aux catégories de la pensée politique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment d'usure de toutes les catégories du politique, ou de beaucoup d'entre elles, y compris celles auxquelles beaucoup se réfèrent. Je vous en donne juste un ou deux exemples. Le mot République. Tout le monde adore la République, personne ne dit du mal de la République, et on voit très bien, non pas que la République comme catégorie doit disparaître, mais on voit très bien que c'est devenu une promesse qui n'est pas tenue pour tout le monde. C'est devenu une catégorie incantatoire. Et donc, à force de dire aux jeunes de ces quartiers dont on parlait tout à l'heure, quand ils rentrent devant l'école, liberté, égalité, fraternité, on leur dit ça. Et on leur dit, intégrez-vous, vive la République, et on ne leur en donne pas les moyens. Ben, il arrive un moment où cette catégorie semble loin de toute réalité. Tout notre débat politique et intellectuel s'est construit depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant, autour d'une espèce de colonne vertébrale qui était, on était avec, on n'était pas avec, mais qui était le marxisme, la révolution, le communisme, le prolétariat ouvrier. Alors, il y avait des gens qui étaient avec, des gens qui étaient pour, des gens qui en rentraient, des gens qui y rentraient, des gens qui en sortaient. Il y avait un petit peu de tout. Mais tout s'est construit autour de ça. Le débat public s'est construit fondamentalement autour de ça. Et puis depuis 20 ou 30 ans, ça nous glisse entre les doigts. C'est fini. Pour la gauche comme pour la droite. Et par conséquent, notre pays est plus que d'autres pays orphelins de ces grandes catégories. Et donc moi, je pense, c'est un peu la réponse que je fais à Jean Brousse, je pense vraiment que ce n'est pas une question de qualité des hommes, enfin, parce que je trouve que les politiciens français, pour avoir un petit peu voyagé, ils sont plutôt moins pires que ceux qu'on rencontre dans d'autres pays. Donc, en Russie, peut-être. Dans l'ensemble. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a un problème de catégorie, de capacité à nommer les problèmes et à les penser.